Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve pour continuer le game dev de Michel Drucker, enfin là c'est plutôt le concept art de Michel Drucker, du cauchemar. Oh putain. C'est pire en pire. Il est vraiment démoniaque. Fini le vaisseau avant de faire l'aile. Ouais, il faudrait. En fait, il aurait peut-être fallu que je fasse un truc un petit peu plus sombre là, je suis en train de me dire. Pas assez sombre là, mon trait. Pour marquer des arêtes. Merde, c'était pas sur celui-là. Ça, c'était pas là-dessus, ça. Ok. Well. Ok. Ah, si c'est vrai, c'est très grave. Si c'est vrai, c'est très grave. Là, il faut que je fasse une couleur encore plus claire. On va vraiment attendre vers le gris métallisé. Ok. N'hésite pas avec du blanc pour les sentiments. Oui. Je suis dessus. Pas forcément du blanc total, hein, mais bon, là pour le centre, oui, c'est sûr que. C'est pas trop mal en vrai. C'est juste que c'est pas assez clair, je dirais. Oh merde.
Est-ce qu'il faut pas que j'ai peur de trancher vraiment Ok. Quel artiste magique, comment ça va ici? Salut Tido, comment vas-tu? Ah, c'est un drame. Là, on est sur un drame, la perspective d'un drame immense. Hein. Je trouve qu'il faut pas avoir peur de dire que c'est un cauchemar. Hein. Surtout pas. Hein. Pas de chien entendu tout à l'heure celle-là. Ah, ça marche pas mal, hein. Ça marche pas trop mal là. Hein. Je suis en l'orgue depuis le début, franchement, waouh. Ah non, 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 commence pas à m'inciter dans mes conneries là. Cet affreux cauchemar est terminé. Ça marche pas mal en vrai, hein. Ça marche pas mal. Ça donne vraiment l'impression de plaque en fait. C'est horriblissime. C'est vraiment oméga dégueulasse quoi. Il va juste falloir que je fasse un truc, je viens de penser à ça. Ouais, voilà. Faut que j'arrive à donner l'impression que c'est... Y a un truc qui tombe, quoi. Roboto Drucker. Bah là, c'est le spaceship Drucker, quoi. Ah non, mais c'est drama. C'est dramatique. Ah non, mais on vit vraiment des expériences. Moi, je... J'abandonne, quoi. Je sais plus quoi vous dire. Je sais même plus comment je m'appelle. Ok. C'est pas bon du tout là. C'est dégueulasse cet endroit. Voilà. Et... Là c'était deux par deux. Hop. Ok. Là pareil. Comme ça, c'est pas mal, là. J'admire ta ténacité au secours. Et j'essaye, hein. C'est à quel moment qu'on ajoute les ray tracing? Je suis une office en game dev. Ah non, non, jamais. Jamais, never, never, never. Si t'es un grand joueur de civilisation, ça marche pas mal, en fait. Putain, c'est vrai que je dis ça tout le temps. J'ai un problème avec cette expression. Attends, c'est vraiment le... Non, c'est pas la même couleur, là. Si c'est la même, ah, si c'est la même. C'est parce qu'il y a le blanc, alors du coup ça me matrix, je pense. You are matrixed. Ouais, c'est ça. Putain, il est en train de prendre vie sur la musique d'Ashon là, c'est. Et là, il faudrait que j'arrive à faire les bandes dans ce sens-là. It's alive! Alive! Très marrant cette emote. Hyper bien animé cette emote de flamme, là. Nani Nao, je ne connais pas. Pas merci pour les coachs. Ah, pour ça, monsieur Moss, comment allez-vous? Vous arrivez sur un moment d'anthologie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? It's alive!
Et là, c'est pareil, ce truc-là, en fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait que l'espèce de moustachu... Faudrait que je le fasse un peu différemment. En fait, l'espèce de moustachu... La moustache... Faudrait que je mette un point là. Eh oh, vilain, vilain, mais elle est où? Ouais, ça dénotera un peu moins là. Ce moustache song by Vegeta. On fait aller en congé. Ah bon, c'est déjà pas mal. Oui, le petit chat qui s'énerve. Et ensuite, on peut en rajouter une ici. Non, je veux pas la gomme, connard. Je veux mettre un point là. Pas tout à fait aigu. Dommage. Ouais, non, c'est pas... Je pense que c'est dispensable. On va le laisser comme ça, déjà. Il faudrait que j'arrive à mettre les bandes comme ça, ici. Et je pense que ça peut plutôt pas trop mal marcher. Ah, c'est juste que, du coup, la bouche, elle va avoir une perspective très très chelou, quoi. Ah, quoique non, pas tant que ça, en fait, hein. Non, non, pas tant que ça, finalement. Mais peut-être juste que je rajoute un peu d'ombre ici, quoi, mais... Ah oui, oui, oui. Non, si, ça marche pas mal. Ah, ou alors... Attends. On va le faire différemment. Ok. C'est pas mal comme ça. Ah non, c'est chelou. Hein. C'est trop trop chelou. Merde, putain, mais je fais ça là, mais en fait, il faudrait que je le fasse direct dans la bouche. Je vais le mettre dans... C'est quoi? Du coup, c'est dans... Ouais, je peux le mettre dans texture, là. J'avoue, j'aime beaucoup les emotes, c'est plus facile que d'écrire. Ah non, mais ça, moi, je suis convaincu de ça, hein. Ça marche tellement bien, les emotes. Oh putain, ça donne vraiment l'impression que ça bouge. Là, il commence à devenir... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un lapin qui... Oh, waouh. Incroyable. C'est un lapin qui fait des espèces de... Ça donne un peu un côté coffrage, là, mais... Ouais, du coup, ça va faire chelou avec la perspective d'ici, hein. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Je pense que je vais l'enlever. Limite, elle était moins vilaine quand elle était comme ça. Ouais, ça marchera sûrement mieux comme ça. Si je mets les bandes comme ça, là... Ouais, je vais essayer ça. Allez, ok. On est sur un peu de l'emmerdement, hein. Là c'est du remplissage, on se fait chier, mais bon. Ah, le problème c'est que là c'est en train de se merge avec... Oh, putain, c'est cauchemardesque. C'est Fer qui se fait défoncer. Pour d'évidentes raisons, au secours. SFR, c'est marrant, j'ai jamais eu de problème vraiment grave, on va dire, avec eux. J'ai eu 2-3 petites embrouilles, mais rien de vilain. J'ai l'impression que c'est la mort pour tout le monde avec eux. Donc soit je suis passé au travers des mailles du filet, soit vous n'avez vraiment pas de bol. Après, sur l'internet, à part pour de la DSL, j'ai jamais eu affaire à eux. Donc je sais pas ce qu'ils valent sur la fibre et autres conneries, mais... J'ai cru comprendre qu'en tout cas, les foules étaient passionnées sur le sujet. Je les hais, perso. Ah bah, on est là-dessus. On est sur ce... D'accord. Ah oui, donc c'est assassin, quoi. Ah si, ça marche. Ça marche pas mal, hein. Et là, du coup, je mets du blanc dans l'intérieur. Attends, 1, 2, 3...
Il me manque un il me manque une couleur là, non? Avant le blanc. Il manque une couleur, ouais. Elle va pas rentrer celle-là, le problème c'est que... Et là, le pure white. Le blanc, Pierre Palmade. Ok. Ouais, c'est un pure white. Pierre Palmade non coupé 100% non coupé 100% pur exactement. Ah oui, celui-là il est très ouais la bière Palmade Pierre Planche extra pur d'un mauvais goût déconcertant, mais ça me fera toujours autant rire. Ah ouais, c'était pas trop mal. Putain, je peux juste faire halt, mais je suis vraiment le roi des cons au pays des emmerdeurs, c'est hallucinant ça. Oh, tu l'as vu aussi? Oh là là, mais old but gold. Oui, il y a très longtemps. Mais je crois que je l'ai vu le même. J'ai vu le même à une époque où j'ai dit too soon en parlant du même. Donc genre 2 jours après qu'il y ait eu l'accident quoi. Genre exemple, ils ont continué à nous prélever longtemps après notre résiliation, à tel point que j'ai appelé ma banque pour les arrêter. Et t'as demandé, t'as réclamé? Parce que nous, on a eu le problème avec Orange, tu vois. Orange, avec Ryline, on était pas contents. Hein. Ils nous ont facturé. Et ils en avaient rien à branler, c'est ça le pire. Ils nous ont facturé pendant encore 3 mois après notre résiliation, ces tas de cons. Et quand on les a appelés, ils ont quand même eu le toupet de nous dire. Ah oui, on sait. Mais arrête ça, bro! Hallucinant quoi. Ça a pris 1000 plombes, mais de mémoire, oui. Ah bah quand même. Parce que sinon, c'est vrai, c'est très grave. Je suis en train de me dire que là, on pourrait mettre un petit coup de. Non. Pour équilibrer un peu, parce qu'il y a des sutures un peu spé là. Qu'on est en train de vivre. Putain, il faut que je fasse un test. Là, il a... Ah non, je sais pourquoi il fait ça. Bah non, pourtant. Vous en faites pas, c'est normal, il va disparaître. Oh putain, ça commence à prendre forme. Hein. Bon, c'est sûr que les contours noirs, ça, c'était pas forcément une excellente idée de ma part. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais là, c'est festival, en fait. Si je fais un truc dans l'espace... Bon, ensuite, mon objectif, c'est pas forcément de faire un truc dans l'espace. Enfin, je dis dans l'espace. C'est de faire un truc futuristique, mais... Avec des décors... On dirait qu'il sort de l'ombre, c'est parfait. Non mais c'est terrifiant. Hein. Merci pour le GG. En vrai, putain, ça marche pas mal. Hein. Ça marche vraiment pas mal du tout. Hein. Et là, en fait, il faudrait que je bombe le gradient de couleur. Ah mais ça marche bien. Hein. Tu ne voulais pas qu'il soit satellisé. Non mais si, mais peut-être dernier level. En fait, faut juste pas que je mette du noir, faut que je mette une couleur un peu différente, quoi. Un noir qui soit pas pur pour le coup. Enfin, qui soit pas un FFFFFF. Un FFFFFF. Que ce. Je mette un gris, éventuellement un gris charbon. Un anthracite, un truc dans le genre. Que ce. Ok. Bon, on va retourner à nos affaires. Hein. Putain, mais quel cauchemar, quoi. Je vais me réveiller, en fait. C'est pas possible, je vais me réveiller, t'es sûr? Faut que je les fasse de manière concomitante.
D'accord. En fait, c'est de pire en pire. Il est de plus en plus cursed. Mais ça marche pas mal, hein. Putain, je me serais pas attendu à ça, vous voyez. C'est pas là-dessus que j'aurais mis des pièces pour le pari, quoi. Mais genre pas du tout, quoi. Et en vrai, le résultat est plutôt satisfaisant, hein. Putain, on a du bon son ce soir, hein. J'ai parlé dès le début du stream pourtant. Sérieux? Bah en fait, je sais pas dessiner moi, donc je m'attendais à rien. Je trouve aussi que le résultat est très stylé. En fait, c'est ça qui me fait mal. C'est de me dire que potentiellement c'est un peu cool. Non mais ça, c'est pas possible. Ça va être une... Je vous le dis, ça va finir en emote. Michel de métal. Ça va finir en emote, c'est bien le problème. C'est bien le souci. Michel de métal. Michel de métal. Ah, je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre un espèce de niveau intermédiaire ici, là. Je sais pas. Ça me paraît un peu gros, ça. Je vois pas trop comment je pourrais le texturer. Fond noir me monte. Non, mais c'est sûr. C'est l'idée de départ. Non, non, ah non, pas du tout. Non, non. L'idée, Tido, c'est vrai. Mais c'est vrai que toi, t'as pas forcément eu le contexte. L'année dernière, à l'ESN, j'avais en donation goal le fait de devoir créer un jeu. Et en fait, comme j'ai pas d'inspiration et que je suis un connard, bah, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un jeu Michel Drucker en mode shoot'em up. C'est pas trop mal comme ça. Ils ressortent un peu plus, on dirait qu'ils sont suspendus. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de faire un shoot'em up. Et là, l'idée c'est de faire un vaisseau Michel Drucker. Le vaisseau de combat Michel Drucker. Ah, c'est un truc extrêmement intelligent comme d'habitude. Putain, mais en fait, le problème c'est que ça rend bien. Genre vraiment, c'est la hantise, quoi. C'est un peu ma hantise. Je sais pas quoi faire. Voilà, le vaisseau avec les petits réacteurs et tout. Non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, quoi. Je suis en train de péter un Gilles Boulon. Je sais pas quoi faire. Non, il faut que je le mette sur les courbes, ouais. Ok. Attends, comment je l'ai fait, là? Ah oui. C'est un peu trop proche. Il faudrait peut-être que je lui donne une courbure différente. C'est là où ça va être chiant. Ah non, c'est peut-être pas trop mal. Ah non, c'est pas mal. Katana Zero, trop bien. Des gens qui ont fait Katana Zero ici ? Ah, faudrait peut-être même que ce soit un peu plus droit. Bonsoir Monsieur Fox, comment allez-vous? Il faudrait un Michel Ducaire ou un Michel Ducaire. Un Michel Ducaire, c'est une idée, un Michel en menhir. Les zélotes, c'est Michel qui pilote, au secours. Moi je connais, ok. J'ai pas accroché. Ah mince! En vrai, j'envisage quand même Katana Zero. Ah mais il est très très bien. Excellent Katana Zero. Moi j'ai vraiment, vraiment kiffé.
Faut peut-être que je fasse des... Ouais, c'est un peu raide, là. J'arrive pas à savoir ce qui est le mieux. Mais je pense qu'en fait, la version de base, elle était mieux, quand même. Je vais revenir sur le truc initial, à mon avis. Michel de métal. Oh, le changement d'ambiance, c'est Slazy Spire, ça? Oh, la vache. J'ai peur d'être si nul. Non, en vrai, ça rentre vite. Ça rentre assez vite. Michel Dugraine, la version... en bois. Oh, c'est con. T'es con. Mais elle est bien. Elle est bien. J'aime bien. Très, très bon, Valérie. Ah, ça va faire un dégradé un peu spé, là, je pense. Hein. Si tu savais... Ah, ben, c'est... Oui. Michel Dugrain. Ah non, ça peut aller. Grand esprit dans ce chat. Ah, là, on est sur de la technicité. Attention, hein. C'est pas le travail de n'importe qui, là. Ah, c'est du travail d'orfèvre, là. Salut, mon... Merci beaucoup, Toto Rollmob, pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue sur un stream extrêmement anxiogène à base de... C'est pas du tout ça, hein. Je fais n'importe quoi. À base de Michel Drucker, sur vous, quoi. Yo les péchés. Cet enchaînement incroyable. Bienvenue à toi Toto. Comment vas-tu? Bon, on fait un vaisseau Michel Drucker. Qui fait salut mon pote mais en mode très énervé. Je sais pas si tu vois le délire. Ce qui est à retenir, c'est que c'est pas du tout anxiogène. Faut vraiment le voir comme un accomplissement personnel, quoi. C'est pas un cauchemar du tout. Là on passe un bon moment. On dirait pas, mais on passe un bon moment. Ok. Je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent sur le stream et qui se disent « Putain, le mec, il est pixel artiste. » Et là, je ne zoome et on voit le drame, quoi. On voit l'étendue du drame. Putain, mais le problème, c'est que ça marche, cette connerie, en plus, hein. Juste pour mettre un point, là. Ah, c'est mieux. Putain, mais ça marche, en plus, cette connerie, là. C'est beau, non, mais c'est un cauchemar. J'étais chez Miss Fail. Ah, m'a dit que tu faisais un jeu sur Michel Drucker, ton follow. Merci beaucoup pour le follow. Moi, j'en fais un sur la reine d'Angleterre. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah, waouh. Mais c'est quoi? C'est un jeu en mode Highlander? Elle doit combattre Valéry Giscard d'Estaing, Michel Drucker, Jean-Marie Le Pen, les immortels en soi? Enfin, Jean-Marie Le Pen, on aimerait bien qu'il le soit pas quand même. Hein. Ce serait bien qu'il... Enfin, je me comprends, quoi. C'est bien qu'il arrête de nous faire chier, quoi. Oh, le drame. Là, je suis sur des trucs un peu irréguliers, c'est chiant du coup. Je vais peut-être pas. Je vais pas le mettre là, je pense. Ça me fera un point de fuite. Ouais, je pense qu'il faut pas que je le mette là, justement. Voilà. Ah mais c'est fait pas beaucoup là. Oui, je vais le merge, hein, c'est pas grave.
Non, si, ça peut bien marcher, là. Je vais faire comme ça, voilà. Ça va être assez régu, mais c'est pas grave. Je pense que le dégradé va fonctionner. Ça met trop de lag. Ah ! Stylé ! Le mec, il fait pixel perfect Michel au KLM. Ouais, ça va, calme-toi. Calme-toi ! Je te trouve bien insolent. Attends, j'ai un autre blanc, mais qui est pas... Je sais pas, le... Je veux pas le blanc Pierre Palmade, là. Je veux pas le blanc extra pur. Ah, ça va être un peu trop en vrai. Ah non, je peux faire comme ça en fait. Je pense que ça va aller comme ça. Je colore comme plaisir de voir l'évolution des choses. Des bisous, ça merci beaucoup pour le follow. Molto bisous. Putain, réel délice. Et je filoche. Excellent live à tous. Et à la prochaine. Des bisous, Tido. Merci beaucoup d'être venu. Et merci beaucoup pour le lurk. La bonne soirée, la bonne nuit. À te voir le résultat. Oh, j'en fais une capture sur Discord. Des bisous, Tido. Merci beaucoup d'être venu. A plouche. Tu sais que j'ai toujours considéré tes talents d'artiste partagés de surcroît. Le tout début. Non, mais ça, c'est parce que nous, on a vécu. On pourra se targuer d'avoir vécu une expérience un peu folle. Mais en même temps, tout le monde ne pourra pas dire. Voilà. Tout le monde ne peut pas prétendre se targuer d'avoir fait des bonhommes bitcuits à la maternelle. Et en même temps, si tout le monde l'avait fait, ça aurait perdu de sa saveur, quoi. Je vais faire un truc... Je vais essayer un truc comme ça, et là, je mets... Et là, je mets du blanc, là. Attends, j'en ai pas... Ah non, c'est bon. Allez, bonhomme bitcu, c'est un délire, ça. Oh putain, non, mais ça marche. Le problème, c'est que ça marche, quoi. Let's go, bisous, des bisous, Tido. Ciao. Non, mais là, c'est... là on est vraiment face à un problème. C'est que ça fonctionne, en fait. Ah non. Oh non. Putain, non. Au secours, J-peps, quoi. Oh, JPP! J'y repense, ça prédisait pas un avenir classique. Non, ça prédisait pas grand-chose, faut dire. Et alors, du coup, il faudrait que là, que je mette le blanc sur l'avant et que je fasse vraiment juste en couronne, je pense. Ou alors, je mets juste une rangée d'un blanc comme ça. Que sur la façade avant. Ensuite, le pure white. Faire un truc comme ça. C'est un peu naze ce que je fais là, mais bon. J'essaie des trucs. Pas les rides. Ah non mais attends, deux secondes. Attends. Un truc à la fois, là. Yamete. J'ai beaucoup d'émotions, là. Non, c'est trop blanc. Il faut que je fasse un contour classique et je mettrai au milieu. Bonsoir, monsieur Tribe. Comment allez-vous? T'arrives sur une situation très anxiogène, hein, Zach. On est en train de faire un vaisseau spatial Michel Drucker en pixel art. Le problème, c'est que ça commence à aboutir à quelque chose.
comment est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ou alors il faut que je les remette en longueur comme ça? Bah non, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Ou alors en halo en fait. Ouais, faudrait que j'essaye de les mettre en halo. Logique, je suis pas étonné. Non, non, c'est... On va dire que c'est assez cohérent avec le projet de vie, quoi. Finalement, tout à fait cohérent avec le parcours de vie, je dois dire. Comment ça va, Zach? T'étais en live, non? J'ai vu que t'étais sur un truc, j'ai pas trop tilté le nom du jeu, mais j'ai vu que t'étais en live tout à l'heure. Comment ça s'est passé? T'es bien? Je sais pas si c'est la façade, c'est ce que je vais réussir le mieux, vous voyez. Je suis hésitant, là. Merde, qu'est-ce que je branle, là? Je fais n'importe quoi. Pourquoi j'ai des paliers qui sont dissymétriques? C'est pas normal. Pourquoi y a un temple sur ma botte de thé? Ouais, si, c'est pas trop mal. Je suis en live sur Duelist of Eden. Ah! Je connais pas. C'est bien. Si, ça marche pas trop mal. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Nevermind? Musique de Michel de Metal, un petit peu. C'est dans la même lignée que One Step From Eden. Bien dur, mais bien quoi? Je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. You know. Si, 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 ça fonctionne là. Bon, il aurait plutôt fallu que je mette du comme ça, mais. Tididididi. Paye mes respects au stream, ça se trouve. C'était de mon côté. Ah ok, j'ai perdu le stream pendant 5 secondes. Bah j'ai pas... Ah j'ai 208 images perdues. Ce qui correspond à grosso merdo 5 secondes. Ah non, pas tout à fait, mais... 2-3 secondes quoi. Peut-être trop de blanc. Bah c'est ce que je me dis aussi, mais il faut que j'arrive à refaire une... C'est pour ça que je suis en train d'essayer de rajouter ça là. Ça marche bien, c'est bien. Ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait juste, idéalement, je suis en train de me dire qu'en fait, il faudrait que je décale ça. Okay.
Ah oui, ça marche bien, mais ça marche super bien en fait. Non, mais j'en ai plein le cul. C'est relou. C'est, elle va vraiment. Je suis désolé, ça va finir en emote quoi. Il est horrible. Il est vraiment cauchemardesque par contre. Michel de métal. Mais je vais m'arrêter par contre, parce que je suis fatigué là. Là, ça, en fait, ça prend un temps de malade quoi. Tout ça pour cette merde. Non mais tout ça pour ça quoi. C'est quoi le projet en fait? On n'aura pas vraiment fait de game dev, mais au moins on a lancé le truc. C'est, je me dis que c'est déjà pas mal en fait. Étant donné que je vais être en galère complète à... Je vais être en galère complète à sortir le bordel derrière. Parce qu'il faut que je fasse le feedback 2. Non mais je pense que je vais... Là je vais m'arrêter là pour ce soir. Et franchement... Pour un whip, c'est pas mal. Hein. Pour un work in progress, je trouve que c'est très très propre. Je n'en attendais pas autant. Mais quelle connerie, putain. C'est vrai qu'il a pas d'oreille, ceci dit. Ouais, ensuite, il n'y a pas vraiment besoin, je crois. Si, ça peut faire des petites ailes, mais c'est ridicule. Non, mais ça marche bien. En fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait limite que je retexture ça pour mettre du... C'est un peu pauvre, quoi. Des canons sur les côtés. Oui, bah j'y pensais, en fait, mais du coup, il y a c'est cette histoire d'aile, en fait. C'est cette histoire d'aile qui me... Je voudrais bien faire une aile un peu en mode Faucon Millenium, tu vois. Bon, il n'y a pas le cockpit ici, mais... Mais qu'on ait quand même le... Je dis ça, mais je sais pas si tu vas trop mon pointeur. Qu'il y ait quand même son bras qui fasse « Salut, mon pote ». Pas juste sa tête. Et du coup, je me dis, bon... Est-ce que les oreilles, ça passera vraiment? Je sais pas. À voir. Il faut combien de n'a pas d'aile. Non, mais... Oh, Natchum, il a le cockpit qui est un peu déporté. Cette espèce de bordel sur le teco, là. Un truc dissymétrique, quoi. Après, j'ai déjà vu, mais j'ai plus d'exemple particulier. De vaisseaux dans des trucs de science-fiction qui sont comme ça. Putain, il faut pas... Faut, les craquitos de Star Wars, quoi. Attention, on parlait pas mal. Hein. Je voulais parler de la notion de dissymétrie. Après, oui, j'ai utilisé le terme L, c'est pas... C'était pas le plus approprié, c'est sûr, mais... Il est un peu retard comme ça. Mais je sais plus dans quoi j'ai déjà vu ça, mais je suis à peu près sûr que j'ai déjà vu ça dans des trucs de... Un truc de science-fiction... Ah, sûrement dans les EVE Online, les trucs comme ça. Ils adorent faire des vaisseaux dissymétriques dans EVE Online. Et oui, donc avec un espèce de bloc... Ouais, FTL dans une moindre mesure, sûrement. Dans FTL, il y a 2-3 designs de vaisseaux qui sont dissymétriques, ça joue un peu. Mais j'ai pas de souvenir d'un vaisseau avec une aile vraiment comme ça marquée sur le teco. Mais ça peut être une allonge pour un canon ou un truc dans le style. À réfléchir. Non mais il est horrible, hein. il est horrible. Bon allez, on va s'arrêter là-dessus, c'est bien. Franchement, c'est déjà... Je m'attendais pas à réussir à chier un truc qui marche comme ça, quoi. Il faudra quand même que j'arrive à revoir un petit peu le cockpit... Pour qu'on distingue bien que c'est un cockpit. Parce que là, je trouve que c'est pas si évident que ça. Il dirait son tarin, quoi. Mais le distinguo est pas si évident, quoi. Ça peut même être le canon principal du vaisseau. Bah alors après, il faudra jauger. Parce que du coup, en termes de tir, ça va pas être pratique, quoi. Mais ça se joue. Ça se manage. Ça se manage. Bon, allez, on va arrêter là-dessus. On va arrêter là. On a déjà fait assez de conneries comme ça. Ensuite, faut pas oublier qu'il sera comme ça, Michel. En in-game, il sera sûrement un truc dans le genre. Hein. Donc, bon. Là, on le voit bien, mais en vrai... il sera petit, hein. Ce qui ajoutera de l'angoisse à l'angoisse. Je sais pas à quel niveau il faut qu'il soit pour être vraiment... Bon, on n'est pas obligé de le mettre aussi petit, sinon. Hein. Mais on te connaît. Comment ça, on me connaît?
plus de bleu pour le cockpit. Tu fais les choses bien. Bah j'essaierai. Oui, il faudrait que je mette plus de bleu. Là, je l'ai très grisé. Enfin voilà, bref, on va faire en sorte de le voir. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'il fasse cette taille-là, même s'il est un peu gros. S'il fait cette taille-là, il sera pas trop mal, je pense. Là, c'est sûr que ça doit vous paraître hors sol par rapport à moi, mais... On va voir. Bref, allez. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve pour la suite. Un jour, je sais pas quand, mais un jour.